Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réacte au quatrième épisode de Project Fear. Si t'as pas vu les précédents, je te laisse regarder. Je t'ai fait une playlist sur la chaîne YouTube secondaire, juste à côté du bouton pour t'abonner. Abonne-toi. Évidemment, Project Fear, on s'en fout si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On est là pour passer un bon moment, c'est du react. Le chat est chaud, le beat est bon. C'est du phasmophobia IRL. C'est 4 personnes qui sont dans des bâtiments abandonnés et hantés. Mais par contre, c'est des noobs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas notre matos, tu vois. Ils ne sont pas aussi forts que nous à Phasmophobia. Mais ils ont des caméras. Ils ont le sourire et ils ont des lampes UV. Et des lampes torches, pardon. Même pas des lampes UV. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Installe-toi. On est parti. Let's go, baby. Oh ouais. J'ai oublié de décaler la caméra. All right, here we go. And all this is like the worst part of the night, especially after everything. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, ils font l'enquête en deux parties, en deux épisodes. Ils font le premier épisode où ils visitent le bâtiment, ils regardent un peu, tu vois, tous ensemble des trucs. Et ensuite, ils font la deuxième partie de l'épisode où ils dorment sur place, séparément. Enfin, ils dorment, t'as compris quoi. Séparément. Donc là, ils vont chacun aller dans un coin du bâtiment et ils vont poser leur duvet, leur tente, leur ce que tu veux. Et ils vont essayer de dormir. Et donc là, on est sur la deuxième partie de l'épisode. Et à mon avis, ça va être une dinguerie. The old hospital on College Hill. We are coming off of... Donc là, vous inquiétez pas, ils vont vous faire un résumé de la partie 1 si vous l'avez pas vu. Freaky stuff that just happened. And if you want to see that video, c'est du phasmophobia pour de vrai. Exactement. Et c'est trop bien. C'est trop bien. This is the part of the night where we are about to separate and sleep alone. Alors, c'est les sous-titres YouTube. Alex, you just spent... an entire, almost nearly 2 hours by yourself in this building. Yeah, no, I'm aware, Chelsea. You made me do it. Alors, il y a un petit truc, vous allez voir. Je vais pas vous spoiler, mais il va y avoir un petit truc spécial pour Dakota. Ne spoilez pas, chat. Yeah, you guys need to like hug it out or something. I know. I like feel the. Donc ça, c'est Chelsea. Bon, ça va, vous les connaissez maintenant. Dakota, son frère. Alex, le cutard. It's okay. Alors. What if like, come here for a second. What? That's happening. What if like, I don't know. What if I like screwed a code over? Okay. Oh. Listening. How? I don't know. What is happening? I don't know. Okay, if they come back here and pick on one of us, yeah, we're getting them. Let's fight them. Bah oui, toi. Like, you know what you should do? What? Make him sleep in the body cooler. Oh. In. Ils vont faire dormir Dakota toute la nuit dans le tiroir de la morgue, le tiroir juste là. Ah ouais. Pour combien vous le faites ça, chat? Ils vont enfermer Dakota toute la nuit dans le truc où ils mettaient les corps. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça, ça c'est ce qu'on aime. Et ouais, c'est des idées à la con comme ça. Hein. Vous savez, eux ils jouent pas avec les objets maudits, ils en ont pas. Ils jouent avec ça. La pire idée, non mais bien sûr, c'est un hôpital hanté, ouais. En vrai, c'est chaud. En fait, 30 minutes, en fait toute la nuit c'est long quand même. Même si t'es pas claustro, je veux dire au bout de 2 heures, t'es en mode « Ouais, c'est chaud les mecs, laissez-moi sortir quand même ». Tu vois? Je sais pas. Je suis pas claustro, mais. Non, là, ils vont fermer, je pense. Then I will say even and we're gonna be good. Why are you laughing? You guys never laugh together. We're talking it out. Let's just be friends, dude. Why can't we all be friends, dude? We are trying to think of a way. Parce que t'es mon frère. Tu m'as pété le cul pendant quand j'étais petit. T'as pété le cul. Tu m'as emmerdé, quoi. Calmez-vous. Oh là là. Essentially, I am going to choose your sleeping arrangement, Dakota. Why mine? What do I mean? Wait, no, no. You non, mais c'est bon. Vous avez pas de frères et sœurs, vous pouvez pas comprendre. Tu m'as fait chier, quoi. Non. Je voulais dire péter les couilles, mais elle a pas de couilles, donc j'ai dit péter le cul. Non, mais ça va, calmez-vous. Oh là là. Vous êtes les pires. It's not gonna be comfortable. You putting your brother in a body cooler? What is wrong with you? Oh, ces Américains, putain, toujours dans la surenchère. Arrêtez de sub sur Kick. Non, sub sur Kick. Merci beaucoup pour le sub sur Kick. Merci beaucoup, Sertox, pour le sub offert. Incroyable. Moi, j'ai déjà pété le cul à ma sœur, donc je vois. Eh ben, ouais, prends-toi 10 minutes, je sais pas. Tu fais... Non, ferme-la. Supprime son message, il me met mal à l'aise, là. Ouais, voilà. Merci, des bisous. Oh, ça claque. Wouh, merci beaucoup pour ton claquage de Oli. YouTube, claque ta Oli, dépêche-toi. Oh oui, ça fait plaisir, la streak continue. Let's go baby, on est parti à 96 ou 97 jours de streak, merci beaucoup. YouTube, on revient, ils sont intenables.
On est reparti. Dakota, in the body. 97 jours de streak, mesdames et messieurs. You're annoying. Like I would have slept there, but I'm like Dakota would really want to take this on. Ouais, je pense que t'as raison. Best investigator of our group. Trained by the worst. I would honestly say he's the best ghost hunter I've ever. Attends, c'est moi ou il vient de balancer un pic à Zach là? Merci beaucoup pour le sub offert. Merci beaucoup énormément Nani. Super Nana, excuse-moi. Putain, tu régales. Et attends, c'est moi ou il vient de balancer un gros fuck à Zach Bagans, le mec de Ghost Adventure pour ceux qui savent pas. Investigator of our group. Trained by the worst. I would honestly say. On est d'accord, hein? Ouais, entraîné par le pire. Ah, ça tire un Dakota, il tire à balles réelles, là. Shut up. You've met Jason. Merci énormément. Attends. Ça parle de qui là? Trained by the worst. I would honestly say he's the best ghost hunter I've ever met in my life. I agree. Oh, shut up. You've met Jason Haas. Donc ça c'est Ghost Hunter. C'est Ghost Hunter ça. Steve Gonzalez, Sherry, Tango. Ouais. You're full of crap. Honestly, Colby's probably the best investigator. Sam. Attends, ça parle. Ils vont parler de tout le monde sauf de Zach. Merci beaucoup pour le sub. Merci énormément. Attends, ils vont parler de tout le monde sauf de Ghost Adventure qui est le show. Le plus connu. Bah, Zach, ouais, mais le problème de Zach, c'est qu'il a un petit problème égocentrique et que c'est un sac à merde. Mais moi, je l'aime beaucoup, Zach, hein, mais. Attends, attends. Oh, shut up. You've met Jason Haas, Steve Gonzalez, Sherry, Tango. Donc, ça. Ghost... Par contre, je connais pas les autres. Ça doit être des YouTubers. Sam, too. Sam, too. Honestly, you're so brave. You're so brave. You're so brave. You're like brave. Dakota, je le kiffe. Mais il parle pas de Zach. C'est un truc de ouf. Il parle pas de Zach. Oh putain. Like brave. Et oh, oh, il ferait trop bien les. Oh, mais arrête. Mais oh là là, mais vous régalez. Oh, vous régalez ceux qui claquent là. Merci énormément. Le problème avec Zach, c'est qu'il a pris la grosse tête. Bah, il a tellement pris la grosse tête. Pour ceux qui sont pas au courant. Destination Fear, leur show a été annulé en partie parce que Zach de Ghost Adventure, qui produisait le show, a décidé d'arrêter parce qu'il prenait trop d'audience et qu'il devenait plus populaire que Ghost Adventure. Et aussi parce que durant leurs 4 saisons de Destination Fear à Dakota, parce qu'avant ils avaient une émission à la télé ces gens-là, Zach leur a interdit d'utiliser la Spirit Box. Parce que selon lui, c'est lui qui l'a rendu connu et donc c'était son objet à lui, ils n'avaient pas le droit de s'en servir. Voilà, ça vous donne un peu le bonhomme. Mais bon, Zach, ça reste Zach Bagans, quoi. Le Ghost Adventure, ça reste le god. Mais le mec a un petit melon, tu vois. Il a un petit melon quand même. Donc maintenant, on l'appelle Zach Bagans ici. Mais on regarde toujours Ghost Adventure parce que c'est trop bien. Voilà. Comme quoi, hein, on peut être un sac et faire du bon contenu, même si c'est rare. Non, je vais me calmer parce que j'ai commencé à balancer des noms. Yedrop, merci beaucoup pour les 1 an. Merci Anto. Merci à ceux qui claquent là au lit. N'hésite pas à nous dire ce que t'as claqué dans le chat. Ça fait grand plaisir. Et il avait des gros biceps avant. Hein. Il a un peu grossi, le sac Bagans. Comment tu vas, Takeda? Tu vas bien? On continue. Alors oui, je voulais dire, lui, il ferait imaginer, mesdames et messieurs, un dessin animé avec des, je sais pas, des souris ou je sais pas. Imaginez une souris dans un dessin animé, mais un peu Tex Avery, tu vois. Et maintenant, écoutez Dakota. Brave. All right, you guys can do your little hat drama. Ça le fait trop, je trouve. Ou alors un pantin dans un film d'horreur. Sam, too. Sam, too. Honestly, you're so brave. So brave. So brave. You're like brave. Un animaniac, mais carrément un animaniac. All right, you guys can do your little hat drama in the corner filming. What are the locations then? Le pantin de chair de poule, mais tellement. Tellement. Tellement, tellement, tellement. J'y pensais, mais je pensais à Fais-moi peur, mais j'avais oublié le nom, c'est chair de poule le nom. Meaning sleeping arrangements are. Merci beaucoup à ceux qui ont claqué. N'hésitez pas à dire ce que vous avez claqué. Alors, donc là, ils vont tirer au sort où ils dorment, sauf Dakota. Also, where I just basically ran out of because I heard the elevator running on its own. The next sleeping arrangement is the second floor. The second floor, we had a lot of paranormal activity happen tonight.
Chucky, ouais, Chucky, ça le ferait bien aussi. Je vous ai pas demandé, mais au niveau du son, ça va? Je vais vous le monter un peu. C'est mieux là? Dead Silence, ouais, j'y ai pensé aussi. Très bon film, Dead Silence. Personally, I don't know if we should be interacting with this. Honestly, something is trying to lure us up there. C'est trop fort, pas assez fort. So whoever is up there, it's not going to be good for them. There are three terrifying sleeping arrangements. Ah, vous inquiétez pas, quand il y aura des bruits à entendre, je vous montrerai le son. Then we're going to draw and find out where the basement. We'll be sleeping for the rest of the. Le deuxième étage. Okay, I'll draw first. Chelsea basement. Le karma. Choose your location. Basement, basement. C'est bon? Ok. Yes! Oh non, elle a le deuxième? Second floor! Elle a le moins pire, quoi. So lucky! I feel like there are so many questions that I want to ask tonight. You're so lucky. Le Joker dans Batman aussi, ouais. Yeah, it was. I'm doing that every time. Okay. Who draws next? Tanner, you are picking next. Imagine le mec. Okay. Imagine le mec là qui habite là et qui se fait réveiller par ces quatre connards. Et qui voit une meuf en train de faire du yoga éclaté avec trois mecs sans défense et une caméra. Le mec, il se réveille, il est en mode « Qu'est-ce qui branle ?» Oh là, ça a changé le porno, je comprends plus rien maintenant. T'imagines le pauvre papy, il sait pas ce qu'ils sont en train de foutre là, les mecs. Who draws next? Tanner, you are picking. Avec, elle agite un sac comme ça, tu sais pas ce qu'il y a dedans, t'sais. Got the fourth floor. Oh, Alex, il a le basement. Oh, aux USA, c'est vrai qu'ils sortent la carabine, c'est vrai. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Super Nana, pour les subs offerts. Merci, merci. Ok, Alex a le basement. Where I don't get to draw and I'm in the lowest part of the building. You're in the basement. Some things never change. This sucks. This is a pretty awesome night. For you. Ah oui, oui, oui. Attendez, pour YouTube. Attendez, comment je fais les... Attendez. Ah ouais. Attendez, j'enlève les sous-titres. Là, pour YouTube, c'est parfait. Ah, pour YouTube, c'est parfait. Ah ouais. Ah ouais. Tout le temps, je mets... Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets tout le temps Chelsea dans la miniature YouTube. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est pas mal. Je peux tellement faire des conneries avec cette miniature. Like, I mean... Bless you. I got really bad allergies. I should probably not be in a dusty basement. Bless you. He's allergic to being scared. What's happening? Allez, let's go, baby. Awesome. Ils vont laisser la caméra là. Bless you. Time to go chill in the cooler. Merci ce killer pour le follow. Merci pour les 100 bits, Sertox. Point d'exclamation Ascoli. So this merci. Is it. This looks good. That looks comfy. T'as la réponse dans le chat. Oh, God. Alors j'imagine qu'ils ont vérifié qu'il y avait des trous, tu vois, qu'il a quand même une entrée d'air, le mec. Mais attends, j'ai une question. Est-ce que si le truc n'est pas alimenté en énergie, est-ce qu'il est aussi hermétique? C'est une vraie question. Est-ce que le truc est hermétique de base, donc l'air ne peut pas rentrer sortir, ou est-ce que c'est juste quand il est alimenté, tu vois, t'as le système de... Ouais, aussi? Comme un frigo, ok. Donc normalement, ils ont dû vérifier qu'il y a des trous, il y a quelque chose, tu vois. Bah, en vrai, je sais pas. Je sais pas si... Est-ce qu'un frigo qui est pas alimenté, s'il est fermé, il est toujours hermétique? Avec l'air qu'il y a à l'intérieur, je sais pas. Probablement oui, mais je peux pas te... Je le suppose, tu vois, exactement. Mais bon, ils ont vérifié, ils vont pas enfermer Dakota, bref. Ça donne envie, hein. Oh, attends, elle a dit quoi? Oh my gosh, this is so messed up. Yeah. Like, if I have to get out, you guys have to come get. Attendez, je suis désolé. Attendez, non, là j'ai vu une meilleure miniature, là. Meilleure miniature, là, tout de suite. Désolé, j'aime bien avoir des bonnes miniatures. Yeah. Les Américains sont capables de tout. Uh-huh. Oh, fuck this, dude. Get your pillow. You got your flashlight? I do. Well. Ok, regardez, ils ont mis un micro. On a vu, il y a une caméra. Je sais pas s'il y a une caméra. Il y a un micro ici. Micro ici. Caméra au niveau de ses pieds.
Qu'est-ce qu'il a ici? Attendez, il a clairement un truc sous son t-shirt, non? Ah non, c'est juste son hoodie. I do. Okay. Well. Caméra ici. Oh, it's so dusty in here. Is it locked? Oh yeah. Yeah. Dude, no. Seriously. It's latched. Why did you lock it? Because it's scarier. That was not the deal, Charles. It just... Ça c'est pas cool, en vrai c'est pas cool. Right. Merci beaucoup Kiabou pour les 1 an. Putain, 1 an c'est incroyable. Merci énormément madame. Good luck in there. You're mean. All right, now Dakota. En vrai c'est peut-être l'endroit où, où il va se passer le moins de trucs. I cannot take you seriously looking at this giant box like this. We're all gonna end up here one day, Charles. On va tous finir ici un jour, Jesse. Il a dit. See ya, bud. See ya. Ooh, what was that? The thing just opened. The bottom of it just opened. What? Ouais, mais c'est parce qu'il a bougé, c'est parce qu'il a bougé. Merci beaucoup pour le follow, merci Tekalizo. Merci énormément, tu régales. I think it wants Chelsea in there now. C'est pour ça. Bah, je suis pas claustro, mais j'aimerais pas y aller quand même, tu vois. Bye. See you, dude. Bye. Ça vient de commencer, Kamu, tout va bien. You guys are gonna do great too. Hurry on. Can't hear you. Et wesh. Tout ce qui va se passer se déroule durant les 4 prochaines heures. On est parti. Well, I am officially in my sleeping arrangement on the 4th floor and didn't want to be up here. This is the one place I didn't want to be. Et les sous-titres sont pas mal. Je suis en train de les lire là vite fait, ils sont pas mal. Something evil is up here. Something dark. Oh, il est à côté de la béquille, elle va tomber. It's never fun to be alone in a place where. Ah oui, le canard, faut chercher le canard. Been warning you not to come up here. So right now I'm... Bon bah, ne dites rien chat, laissez pas YouTube, laissez chercher YouTube. Non, vous n'avez rien vu, c'est une illusion. Vous n'avez rien vu. Chut, taisez-vous. Chut. Non, ne lis pas le chat. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je désactive le chat en haut là. Ah, il est chiant ce chat. N'écoute pas le chat, il dit que des conneries, regardez, voilà, il sub sur Kick alors qu'on est sur Twitch en ce moment. Ils sont tarés, ne les écoute pas. Merci énormément pour le resub. Voilà, regarde, il a disparu. Putain. Bon, bah voilà, au moins ça s'est fait. Merci encore pour le resub. Bon, bah on continue. Wouh. On est parti. Bon, bah je crois que c'est fait. Putain, je suis déçu, quoi. D'habitude, on galère un petit peu, là. Il n'y a même pas de galère, il n'y a rien du tout, quoi. Merci énormément pour les resubs sur Kick. Je suis désolé, j'ai pas les alertes Kick sous les yeux, donc j'ai pas vu qui c'était. Et merci beaucoup. Ouais. Mais écoute. Oh bah oui, bah vas-y, zoom dessus. Oh bah, il est où le canard? Non mais attendez, c'est un épisode pour Red Charge ou quoi? Ou alors le canard va bouger peut-être. Là, il est là le canard, on cherche un canard. Il est là? Non mais en vrai, le canard, ils auraient pu le cacher là dans l'ouverture de la porte, tu vois, ou ils auraient pu le cacher juste derrière la porte, il dépasse, ou je sais pas, mais là il est quand même posé en plein milieu. Même Red Charles l'aurait vu, mais je pense, ouais. Ou alors ils auraient pu le mettre là, tu vois, elle aurait fait style, elle est claire et tout, je sais pas. C'est YouTube, je veux dire, on n'est pas sur Discovery Channel là, tout le monde va le trouver. Lisez le message épinglé, s'il vous plaît. That cannot be going over well right now. Bref. Bon, bah au moins, on a plus le canard à chercher. On peut se mettre dans l'épisode, quoi. About an hour ago, I sprinted out of the basement. I was so freaked out that I ran out. Now I have to be down here for another 3 to 4 hours, probably. So, that's awesome. Alors, qui va prendre le plus cher? I am in a body cooler right now. My sister... Lock me in a body cooler. Il va devenir fou. Claustrophobia too. I hate tight spaces, and I'm already like getting anxious. Look at this. Look at what I'm seeing right now. It's so tight in here. That's what she said. Tanner. It actually smells in here. C'est vrai, Darzil. Pourquoi t'es VIP, Darzil? Je m'en souviens pas.
Je crois que je vais te l'enlever. Désolé. Tu devais le garder une semaine, j'ai dû oublier. What was that? Non. Hello? I just heard something like knocking or touching the outside of this. Hello? Merci Darzil pour ton service. J'avoue que le bang là, il est. Is there somebody outside of the cooler right now? I'm not trying to be disrespectful. Oh putain, j'ai eu peur. Je savais pas ce que c'était ça. Je pensais que c'était derrière moi. C'est juste, c'est une bande. Vous savez, les bandes en plastique comme de la police là. I didn't want to do this. I really don't like this. Merci beaucoup, Benour. I hope the next time I'm in a body cooler is when I actually die. Est-ce que ça va tomber, ça? J'aurais bien aimé faire une prédiction, mais comme le problème, c'est que l'épisode est sur YouTube, donc il y a des gens qui peuvent tricher, tu vois. Je me demande si ça va tomber. À votre avis, là, répondez juste oui ou non. Est-ce qu'à votre avis, la béquille va tomber durant l'épisode? Je me tâte. Je pense qu'ils s'attendent à ce que tout le monde pense qu'elle va tomber. Après, attention, elle était déjà là quand ils sont rentrés dans le bâtiment. Hein. C'est pas Tanner qui l'a mise ici. Hein. Enfin, au début de l'épisode en tout cas. Ouais. 100%. Ah oui, il y en a qui tentent des 100%. / 100%. Notez la modération. On a un 100% dans le chat. Vous connaissez la règle des 100% ici. Hein. Ok. If anyone's here with me, I'm gonna be up here for the rest. Moi, je pense of the pas. Night. Des bisous, maman. Voice, can you make some sort of noise? We were here a couple of years ago. You remember us? Eh, Atslash, t'as des balls. Hein. T'as des balls, il faut respecter ça. Hein. Alright, well, I'm just gonna walk around. Like, check this out. Ah, attendez. Laissez-moi me reconcentrer dans l'épisode. Is there someone down here? I'm gonna be down here the rest of the night by myself. Avec Maoli. N'oublie pas de calquer ta Is there anything you want to say to me? I'm about to walk into the X-ray room by myself. Okay. This is the room where people have seen a face. Up here on the wall. Ah oui, sur les murs. Face. Ça devrait être... T'imagines, tu vois ça un jour, tu dois vraiment flipper. Can you appear on the wall for me? C'est quoi la règle du 100%? En fait, on a une règle ici, qui est normalement sur Phasmo, mais pour rigoler, on l'applique à tout le monde. Après, c'est pas grave, parce que demain, je suis off, donc au pire... Mais bref, en gros, quand vous êtes sur Phasmo, et que quelqu'un dit « Ouais, 100%, c'est un démon », et ben si jamais t'as tort, tu prends un ban de 24 heures. C'est la règle du 100%. En fait, au début, j'avais fait ça parce que ça me saoulait les gens qui étaient dans le chat en mode « Ah, c'est un démon !» Tu sais, qui balançaient des trucs comme ça. « Ah, oh, je suis sûr, c'est un démon !»« Ah, c'est Banshee !»« 100%, c'est ça !» Tu vois. Et en fait, ça m'a saoulé. Et pour rigoler, j'ai dit « C'est quoi, le prochain qui fait ça, s'il a tort, il se prend 24 heures. » Et le problème, c'est que c'est devenu un running gag sur cette chaîne. Et du coup, quand vous tentez un 100%, enfin, le premier hein, qui tente à 100%. Après, ça dépend, c'est les modos ou moi-même qui choisissent. Hein, c'est pas tous les 100%. S'il a tort, il prend 24 heures. Comme ça, ça évite que les gens disent 100% pour rien. Tu vois. Donc moi, je trouve ça trop cool. Et attention, parce que les petits malins, on les connaît. Il y en a qui tentent aussi le 100% pour essayer de prendre des 24 heures. Sauf que ça double à chaque fois. C'est-à-dire que le prochain qu'on choisit, qui redit un 100%, il prend 48. Et après, tu comprends? Voilà. Et après, on dit stop, ça s'arrête. Voilà. Parce qu'il y a toujours des gens, évidemment, qui en font trop. Merci beaucoup pour le resub. Merci énormément. Et 50%, c'est 12 heures. Voilà, exactement. C'est au prorata du pourcentage. Ça dissuade. Bon, voilà. Et du coup, mon chat est beaucoup plus propre sur Phasmo. Parce que moi, je peux pas regarder... Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est que moi. Tu vois, je suis Zach Bagans, mais je supporte pas les gens qui sont dans le chat. Ouais, la prochaine game, c'est Banshee. C'est sûr, 100%. Et le pire, en fait, j'ai fait ça parce qu'il y a des gamins qui faisaient ça.
Et le pire, c'est que quand ils ont raison, ils sont en mode putain, je suis trop fort. Tu sais, ils se la racontent un truc de ouf. Je dis, mais mec, t'as juste chaté, quoi. T'as vu la mer que t'as, c'est normal. Tu vois, j'ai jamais compris de. Bref, on continue. Oh my god. Salut, mademoiselle. I don't like this at all. Alors attention, ne trollez pas les modos parce que eux ils vont pas vous louper par contre. You're out in the hallway right now, and you can hear my voice, and you're confused that you can't. Tiens, montre à Raxonos combien ça fait 1%. Montre, Tutis, montre. Tutis adore les mathématiques, donc allez-y, montre-lui combien ça fait 1%. You can't see me because I'm in the body core. Sorry for yelling, but I'm pissed. Ça fait combien du coup? Ah, ça fait ça. It's getting okay. Really hot in here. It's getting hot in here. Really hot in here. Donc là, des gens vont troller, mais voilà. Is there anybody here with me? Pourquoi tu poses la question? Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir une réponse? Mec, t'es bloqué dans un placard. Est-ce que t'as envie de savoir s'il y a quelqu'un avec toi? Je pense pas. Is there anybody in this hallway on the first floor? If you can hear my voice. Oh. I just heard something moving outside of the body cooler. What is that? Hello? If you can hear my voice. J'avoue, c'est bizarre comme bruit. If you can hear my voice. I did bring the PS device with me. I won't be able to probably show you the words. C'est quoi? I keep hearing stuff outside. C'est le virus? I know that this is said to be a very haunted area. We used this earlier on the fourth floor. Ah non, c'est pas le virus. Enfin, c'est comme le virus, mais c'est avec les fréquences, je crois. We're getting creepy responses. If there's anyone that can hear my voice, you can use this device and you can choose one word and talk to me. Alors, je respecte vite fait pour ceux qui n'étaient pas là la semaine précédente, mais en gros, c'est un truc qui analyse les fréquences ou l'électromagnétisme, et en fonction des variations, ça choisit un mot dans un dictionnaire de 10 000 mots, tu vois, mais juste un mot. Et puis, voilà, c'est tout. Si ça choisit couleur ou frigo, c'est une dinguerie. C'est une spirit box Larousse. Voilà, exactement. C'est le mode text to speech de Phasmo, mais dans une box. Exactement. Think about me being in this cooler. I didn't want to be. Mais sans le bruit de la spirit box. Not my idea. If you want to go be pissed at someone, go up to the second floor where my sister is, because she made me do this. Et attends, il est vraiment en train de dire au fantôme, laisse-moi tranquille et va au deuxième histoire de karmater ma sœur, vraiment? Put in here. This is not my idea. If you want to go be pissed at someone, go up to the second floor where my sister is, because she made me do this. C'est 14 minutes 24 secondes, ok. Is there anyone in here with me? Quel enfoiré. Oh my god. Quel enfoiré. I just, I don't like this. Il veut kill sa sœur. Alors. Kind of sucks. The closest person to me is Dakota, and he's locked in a body cooler right now. La faute à qui? I actually wonder how he's doing. Maybe I should check in on him. What? That's a smart idea. I'm gonna give him a little check. It's more for his safety. I'm sweating. How's it going in there, Dakota? What? Ils font ça à chaque épisode. Et à chaque fois, ça me fait délirer. Et à chaque fois, il a la même réaction. I'm sweating. How's it going in there, Dakota? What? Close my walkie. How do you think it's going in here? I'm in a body cooler, dude. Il doit faire chaud en plus. Super loud. Yeah, that sucks. I just wanted to make sure you were still alive and not, hyperventilating or dying of suffocation. Dude, I am like so hot in here. I'm sweating. Enlève ton pull. S'il lui sort, enlève ton pull, masterclass. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'enlever son pull dans cette position-là?
Est-ce qu'il y a un monde où tu peux enlever ton pull dans le truc? Je suis sûr que c'est faisable. Mais c'est compliqué, on est d'accord, c'est compliqué. Non mais attendez, après il faut pas faire votre taille non plus. Je sais qu'on a certains viewers qui sont moins taillus que d'autres. Mais bon, moi je fais 1m85, c'est compliqué. Penser que c'est possible, c'est un défi un peu quand même. Hein. Il en a pour 1h30 là. Hein. Alors après, il y a l'air d'avoir plus d'espace au-dessus, tu vois, en vrai, par rapport à ses pieds. C'est vrai. Non, c'est vrai que là, c'est peut-être plus facile. On voit pas où ça se, tu vois. Ouais. Dude, I am like so hot in here. Faut être un peu souple quand même. Hein. Ça dépend ce qu'il a en dessous. Pourquoi? Non, ça dépend pas ce qu'il a en dessous. Je comprends pas. Avec 1m50, ça passe crème. Non, ben voilà. Dude, I can't even hear. Attends, quoi? So hot in here. I'm sweating. Des bisous, Gohan. Bon courage. Dude, I can't even hear him. My walkie like doesn't even work in here. I can hardly hear you. Well, that sucks. I don't know if you can hear me then, but if you need help, just walkie me. Dude, I can't hear him. Dude, I am like, you're chopping in and out. But I'm assuming you can hear me, so I'm gonna let you know immediately if I'm... Ah ouais, c'est chelou. J'allais dire, après, c'est normal, il y a la distance, il est dans un truc et tout. Mais en fait, Alex l'entend très bien, c'est juste Dakota qui n'entend pas du tout Alex. Ça, c'est chelou, par contre. Merci énormément pour le resub sur Kick. Merci énormément. J'avoue que ça, c'est chelou, j'y avais pas pensé. Ok, sounds good. Good luck. Merci Bibi. I don't know what he just said. Great. So I can't even talk to anybody. Ah, t'as pas essayé les autres. Something happens. Well, okay. I have been sitting up here for a while now, and I haven't really heard anything yet. I'm gonna start breaking out some equipment, see if I can get a response on anything else. Man, this hallway is creeping me out. I do not like that. In my hand is a digital recorder. This is going to be... Non, tu regardes pas sur YouTube, tu regardes avec nous. ...and sounds that my ear can't pick up itself. I'm going to start asking some questions, play this back, and hopefully... Okay, enregistreur. ...responses. Rolling on the digital recorder on the fourth floor. I have a device in my hand. If you come up to it and speak, it will be able to hear you. Is there someone up here with me? Do you have ils ont pas de lampe UV, ils ont très très peu de matériel. You've been warned many times to c'est not ça que j'aime come bien. Up to this floor. Is there a reason for that? Mais ils en ont de plus en plus. A few years ago, I was asking questions and I got the word malevolent on the ovulus. Ah oui, je m'en souviens. Are you trying to state that you're evil? Merci Resk. La boule à gauche. Do you have a warning for me? Ah ça là? Oh je sais pas, ça doit être une caméra ou un truc. Alright, I'm going to cut on the digital recorder. The moment of truth. Find this thing back. Rolling on the digital recorder on the fourth floor. Oui, on a trouvé le canard. Ils sont trop bas level encore, ils ont pas tout débloqué. On dirait qu'il parle. Oh, c'est quoi ça? Attendez. Alors, ça va vous sembler bizarre. Le bruit est trop bizarre. Mais ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à quelqu'un, c'est pas une spirit box, qui mange une pistache ou une cacahuète et qui balance la coquille par terre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ce bruit-là. On dirait un claquement de doigts aussi, j'avoue.
Okay, I just heard footsteps. Footsteps? Non, c'est pas des footsteps, ça. Du ping-pong, quelqu'un qui joue au ping-pong. Hello? I need to finish the rest of this, but I am starting to really get on edge. Il a rien vu. So after all, il a rien vu. No okay. responses. It's kind of frustrating. I don't know why it doesn't want to talk to me right now, but it's not giving me anything. C'est un enregistreur numérique, l'objet qu'il a dans la main. C'est juste un recorder, un truc qu'on enregistre, quoi, c'est tout. Hein. So right now I'm going to whip out the ovulus. If there's somebody here, you can use this. Donc l'ovulus, c'est la même chose que Dakota avait, mais avec l'électromagnétisme comme un EMF. Oh Reaper, merci beaucoup pour le 13e mois. Donc le canard, il est juste là, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé. Is there anybody up here with me right now? If there is somebody up here with me... Là, il n'était pas vraiment caché, quoi. Move a door. J'adore l'ovulus, moi. Tanner is up on the fourth floor right now. What do you think about that? Do you not want me asking questions? Are you busy? Night. Are you okay. doing the night shift right now? Are you currently making the rounds on eh oui, the ils sont dans shift? Un hôpital, donc il y a des Is gens en night shift. Is tonight a busy night? Are there a lot of patients? Are they sick? Are they injured? Et tu vas la fermer, Grognas! Pardon, excusez-moi. Mais la meuf, en 5 secondes, elle lui a posé 45 questions, quoi. Ça se trouve, le mec, il a rien demandé à personne. Il est là depuis, je sais pas, 120 ans. Il est en mode, oh putain, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde! Are you currently making the rounds on the night shift? Is tonight a busy night? Are there a lot of patients? Are they sick? Are they injured? Ah bah là, instant regret. Là, il regrette d'avoir dit night hein, dans l'envie du sang. You're seeing tonight, what types of conditions are j'aurais you dû me la treating? Fermer. C'est un peu comme moi quand je reçois des DM. Tu sais, des DM et des emails, j'en reçois plein. Et des fois, j'hésite à répondre. Juste une question anodine, tu vois. Et des fois, je réponds juste oui ou non. Et des fois, je me dis, ah, je réponds pas. Et des fois, je réponds pas, tu vois. Mais des fois, je réponds juste, ouais, merci de ton soutien. Et oui, la réponse est oui, des bisous. Et là, c'est parti. Eh, maintenant que je te tiens. Bah, exactement la même chose. Ouh, donc, si je vous réponds pas, c'est pas contre vous. Hein. C'est juste que... Pff, des... voilà, merci à tous. Ok, bye. Toussez. Oh my okay. gosh. Is somebody sick here? Do they have a cough? I just asked if there is a condition that you're treating and you responded with cough. Merci, sans do coucou. Do you like your job? Is this something you like to do? I'm gonna do a little experiment. I have a couple of different colored mag lights. Oh, right. C'est nouveau ça? I have two flashlights on the ground. The black one is for no. The blue one is for yes. Do you understand? Attends, il a dit the black one? Ah mais attends, c'est pas la couleur de la lumière, c'est la couleur de... Enfin, c'est pas la couleur du faisceau lumineux. Ah oui, parce que j'allais dire une lumière qui affiche du noir, enfin... Enfin bref, Can vous avez compris. Can you hear me right now? No. Attends, mais comment elle marche? Attends, je comprends pas. Comment elle marche? Comment elle s'allume toute seule? Qui a gagné le jeu? C'est pas toi, Lunatsu. C'est pas toi, y a pas de souci. C'est pas toi. Colored mag lights. All right, I have two flashlights on the ground. The black one is for no. The blue one. Attends, mais comment il l'allume? Ça a l'air d'être une flashlight normale. Comment il l'allume? Je comprends pas. Attends, je suis con ou il y a quelqu'un qui peut m'expliquer s'il vous plaît? Non mais ça existe de la lumière noire, mais c'est pour autre chose. Là, je veux dire, ça sert à rien là quoi. Quelqu'un peut m'expliquer comment il allume la lampe? C'est des mag lights, peut-être? Bah j'espère, parce que sinon je comprends pas. Donc c'est des mag lights. Ah, tactile? Tactile ou mag light? Ok, alors comment ça marche mag light? Excusez-moi. Expliquez-moi.
Est-ce que c'est... En gros, c'est juste tu la touches et ça l'allume. C'est juste ça, en fait. Il doit marcher dessus et ça l'allume. Fois 200 km. De quoi tu parles? Ah, tu parles de ce qu'on est en train de regarder? Oh, est-ce qu'un jour les gens vont comprendre? Est-ce qu'un jour les gens vont lire les messages épinglés? Je sais pas. Je sais pas combien de gens je vais devoir ban pour qu'ils apprennent à lire. C'est fou quand même. Ah, c'est juste une marque de lampe. Là, c'est juste la marque, ça change rien. Ah non, parce que Mag... Maxou, tais-toi toi aussi. Hein. Parce que Maglight, c'est magnétique, tu vois, magnet. Donc aimant. Donc je me suis dit, c'est peut-être un truc aimanté, Maglight et tout. Ok. Bah écoute, je sais pas comment ça marche. Peut-être que c'est juste les... peut-être... Ouais, je sais pas. Bref. Écoute. Can you hear me right now? Peut-être qu'il va expliquer. No. Do you just not want to talk? Are you the spirit that makes people uncomfortable down here? C'est la torche des flics aux USA. Ah, je sais pas. Comment tu vas, Storm, si tu vas bien? Turn this flashlight off. Whoa, yes. Both of them are on. Attends. Can you turn this flashlight off? Whoa, yes. Both of them are on now. Okay, les deux sont allumés. Are you next to me right now? Do you know what scared me out of the basement and what's been making the elevator move? Yes, the blue one just turned off. Are you afraid of whatever's on the fourth floor as well? Is Tanner in danger being up on the fourth floor by himself? Je comprends pas trop les lumières. I'm itchy, I'm sweating, claustrophobic. It's not giving me anything. Ouais, je comprends pas trop comment elle s'active. Single response or anything in here. Dommage qu'il ait pas expliqué. You have a message for me? Can you tell me something? Can you give me a word? What the fuck? No! What was that? Wow, c'était fort ça par contre. What the fuck? Attends. Single response or anything in here? Do you have a message for me? Can you tell me something? Can you give me a word? What the fuck? No! Fuck. What was that? Seriously, get me out of here. Hello? Fuck Ooh. This stupid room. I gotta get out. Afterlife. It just said afterlife. Seriously, I don't like... Holy shit. Who's outside of the cooler right now? Je sais pas comment il fait pour pas paniquer. Je sais pas comment il fait. Did you hit it? Can you tell me something? Can you give me a word? What the f***? No! What was that? Can you give me a word? What the f***? No! I want to get out of here, really. I'm not... Ah bah j'aimerais pas être à sa place non plus. Surjouer trop boubou, on en reparle. Mets-toi dans le noir, dans le truc pendant 2 heures, on en reparle si tu surjoues dès que t'entends un bruit. Hello? J'avoue. Oh, j'avoue, on l'entend super bien là. On dirait un petit caillou ou un bruit de pas, ouais. Hello? I heard footsteps. Hello? Someone there? Yeah. Right as I was about to break out some new equipment, I was hearing some loud footsteps walking, like really loud, like getting close to me loud. Parce que il faut vous rappeler, mesdames et messieurs, que nous on y voit, mais qu'eux ils sont dans le noir complet. Hein. On a une caméra infrarouge, nous. Hein. Eux ils ont rien. Rien du tout. Donc toi t'es dans la forêt la nuit, t'entends des bruits, tu. Voilà, eux ils sont dans un hôpital abandonné pendant toute une nuit. Quoi. That's messed up, dude. Hello? Hello? Je sais pas si on dirait vraiment des bruits de pas, mais il y a clairement un bruit.
Et seul, et seul. Oh, la spirit box, let's go. Attention les oreilles. So I'm going to ask questions just like the digital recorder, and I will be able to hear it in real time. This thing is very loud and very creepy. Here we go. Is there someone up here with me? Ça, c'est vos voisins, ça, le dimanche soir. Is there someone up here with me? Je suis désolé, je casse tout à chaque fois. Do you remember us? J'entends plus que ça, moi aussi. J'entends plus que ça, je suis désolé. Elle prend cher, la spirit. Oh, je suis désolé, j'entends plus que ça. Oh, putain. Elle prend cher, la spirit. Tu m'as tué, là. Elle prend cher. N'importe, peu importe ce qui se passe là, là c'est mort. Je suis désolé, c'est tout cassé là. You remember Alex? Do you have a warning? minutes à cette allure. Ouais, il est fort quand même. Beliodas, débrouille-toi s'il te plaît. Tu vas sur la chaîne YouTube secondaire, c'est marqué. Attends, merde, j'ai pas suivi, excusez-moi. Ah non, mais là, alors je veux bien être El Matador, mais 32 minutes à cette allure, je l'ai fait pas. Hein. Et je ne croirai aucun homme dans ce chat. Hein. Sachez-le, hein. Sachez-le. Hein. Tous ceux qui pensent là, les 32 minutes à ce rythme-là, vous les faites pas. Hein. Ah, mais même 10 minutes à hein, ce rythme-là, je les fais pas. Hein. Non, mais faut pas déconner. Voilà, je viens de le faire 10 secondes. Imaginez 32 minutes. 32 minutes! Moi, je le fais pour de la bouffe. Ouais, voilà. Avec une eau litre, 2 litres, ça peut passer. Ah, mais le problème, c'est. Moi, le problème, en tout cas, c'est pas l'endurance, hein, sachez-le. Je pense qu'on se passera des détails. Mais moi, le problème dans les 32 minutes à ce rythme-là, c'est pas l'endurance. Hein. Enfin. C'est pas que l'endurance. Bref. Très bel objet, la spirit box. Le fantôme lui donnait pas les réponses qu'il voulait, alors maintenant il a juste laissé la lampe yes. Là, je me suis niqué la main. And the flashlight hasn't done anything. It hasn't turned on. It hasn't done anything. Should I be scared to be down here alone? Do you want me to leave the basement? I know you don't like people going into the X-ray room. Whoa, yes. It just turned. Mais le problème, c'est que cette lampe, c'est fou qu'elle s'allume, tu vois. Mais ça a aucun impact sur moi parce qu'il a pas expliqué comment elle s'allume. C'est ça que je comprends pas. Je pense que c'est juste la lampe, tu touches le bout, elle s'allume. Merci beaucoup, Mini Dragon, pour le follow. Salut Franck, salut Boulin. Whoa, yes. It just turned on right away. Oh my god. Oh my god, it's just flickering right now. Yes. All right, can you turn it off to confirm that you want me to leave? No way. Holy shit. Dude. C'est ouf. Non, mais c'est ouf, mais. Turn this flashlight on if you want to have a conversation with me. Oh putain, à chaque fois. Il a pas envie de te parler. Il a pas envie de te parler. Whatever's down here does not want to talk to me.
Lampe-poteau, tu passes devant et elle s'allume, peut-être. Ou peut-être si tu la touches légèrement, c'est possible. So you want me to leave this basement? You don't want me in this building at all, do you? Oh my god! Ça reste ouf, mais j'aurais bien aimé savoir comment elle s'allume quand même. I do not feel okay down here. You want me to leave? Are you gonna hurt me if I stay? Don't feel good. I feel like I should leave. Who is up here with me? Is there anybody up here with me? Je crois pas qu'ils aient le Bluetooth, Chris, les fantômes. Les flics utilisent pour le côté pratique un petit coup de poignet, le tout s'allume si tu fais un mouvement proche. D'accord. Ben, ok. Donc c'est plutôt basé sur les mouvements, je sais pas, il doit avoir... Okay. Oh, il y a eu un truc. I keep hearing these noises coming from down the hallway. They're very faint. Sous-titres. What am I hearing? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'ai entendu? Okay. Maglite XL100, c'est le modèle. Attends, vas-y. Vas-y, moi ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse de regarder. Maglite XL100. Ah ouais, du coup, il y a la bleue et la noire. Hop. Donc, s'il y a un bouton derrière... Attends, tu peux choisir... Ah, mais attends. Tu peux choisir... Ah non, ça, c'est juste le... Ok, comment ça s'allume? Motion control. Ah, donc, il y a bien un capteur de mouvement dans le truc. Donc, t'as bien la bleue et la noire. Motion control, ça veut dire quoi, motion control? Attends. Attendez, revolutionary breakthrough. Attendez, je vous traduis pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Une percée révolutionnaire dans la technologie des lampes de poche conçue pour un rendement lumineux optimal. La nouvelle lampe de poche... attendez, je vais passer en... Excusez-moi. Je vais passer en écran en noir, voilà, histoire que ça ne vous nique pas les yeux. Une percée révolutionnaire dans la technologie des lampes de poche conçue pour un rendement lumineux optimal. La nouvelle lampe, machin. Fonctionnalité conviviale, axée sur les performances et design élégant. Ok. La suite. Attends. Juste là, ok. Conçu à partir de zéro, cet instrument d'éclairage avancé est piloté par la prochaine génération technologie MagLED et comprend l'interface utilisateur, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle marche, s'il te plaît? Dispose d'un interrupteur à bouton poussoir avec 5 modes sélectionnables plus un verrouillage qui empêche utilisation accidentelle. Mais vous expliquez que dalle en fait comment ça marche. Bon bah écoutez, je sais pas. Je comprends pas. Regarde des tutos YouTube. Salut, juste un petit coucou. Je regarde. Bah, c'est très gentil, Pierrot. Merci beaucoup. Ok. Bah, non, mais je crois. Bah, c'est fou. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Donc, 18$ la lampe. C'est marqué motion control. Donc, j'imagine que. Je sais pas. Ça doit faire un truc quand tu la bouges. Ce qu'elle m'a dit. Hein, des bisous à tous ceux qui la bougent. Mais ça doit être ça. Donc, peut-être vibration. Je sais pas. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir quelque chose. Ça a l'air d'être une lampe de bonne qualité, en tout cas. Elle a l'air stylée. Bref, on continue. Merci beaucoup pour le follow. Il y a le mode stroboscope pour stopper les gens en état second. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu tournes un bouton derrière pour les différents modes. Oui, ça, j'ai vu. Ah, c'est ça qui s'appelle le motion control? Écoutez, je sais pas. Adrenella, comment tu vas? Merci. On continue, c'est pas grave, on saura jamais. Voilà, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu le sais, toi. Merci pour le follow, Joe. Parce que clairement, moi, c'est pas le fait qu'ils répondent à ma question. Si jamais faut appuyer derrière pour l'allumer, c'est pas le fait qu'ils répondent à la question oui ou non qui me choque. C'est le fait qu'ils allument la lampe. Juste le fait d'allumer la lampe, c'est complètement ouf. Attends, c'est moi? Oh! Attendez, je voulais dire un truc. C'est moi ou elle a la moquette par terre? Putain, mais elle se met bien. Ok, il vient de dire malveillant au... Il vient de dire malveillant. Et le truc qui est encore plus ouf avec ça, c'est que quand ils y sont allés il y a 3-4 ans dans la saison 2 de Destination Fear, il avait sorti le même mot à l'Ovidus. Exactement le même mot. Il capte le mouvement si le truc bouge de la lampe. Je sais pas s'il y a une portée sur le faisceau. D'accord. Écoute, on va très bien, Chalami, installe-toi. Ah ouais, ok. The chances.
I was getting ready to pick up my camera and explore around the second floor. And as soon as I get my camera, the word malevolent comes on the screen. And I'm pretty darn sure that that is the same word that we got last time we were here. I need to check in with Tanner because he's on the fourth floor and I'm freaking out right now. Ah, c'est son Toki qui est par terre. Bah voilà, on a la réponse. Last time we were here, did we get the word malevolent? Yeah, we got malevolent when I was asking questions on the ovulus. I just got that word again, and I thought I had to... Ah, ça c'est ouf, qu'il ait deux fois le même mot, c'est ouf. Well, honestly, that... Whoa. Il y a un truc qui a gratté, écoute bien. Well, honestly, that... Whoa. I just heard a scream up here. One of the doors just rattled. Okay, I don't know what's going on the second floor. But something is down here and I don't think it's good. I honestly think that... Holy shit! I just saw somebody! Get down here! Get down here! Attends, 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 il se passe quoi là? Holy shit! I just saw somebody! Get down here! Get down here right now! Alors, pour la... Oh shit, time to go to work, baby. Il y a un truc que j'aime beaucoup, là, qu'elle a fait. C'est que d'habitude, il reste sur la caméra sur eux. Et là, je pense qu'elle a vraiment, vraiment peur parce qu'elle tourne la caméra et elle essaye de filmer ce qu'elle a, tu vois. Et d'habitude, ça, ils le font pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un chat ou un raccoon ou un... Ou peut-être pire, on ne sait pas. But something is down. Par contre, je comprends pas ce qu'elle a dit. Laissez-moi écouter. Arrêtez de mettre pause. Here and I don't think it's good. I honestly think... Holy shit! I just saw somebody, ouais, elle a dit ça. Je viens de voir quelqu'un. Allez, let's go. J'arrête de couper, on est parti. Something is down here and I don't think it's good. I honestly think... Holy shit! I just saw somebody! Get down here! Get down here right now! Please! Shit! Shit! Oh my god! Come here! Dude, I swear I just saw a head! Where are you? Holy shit! Dude! I just saw a head! What? Je viens de voir une tête. Where? Down at the end of the hallway, right after I got the word malevolent. Tanner est toujours là pour faire le garde du corps. I need to figure my life out. A head. A head. It blocked that square you see over there. Yeah. It blocked that square. I've never seen something like that in my life. I am not kidding you. I'm going over there. I genuinely thought. Salut, Alonso. Let's go, baby. Let's go investigate. No, this doesn't even lead to the outside. Dude, I'm not kidding you. It looked like something went like this and zoomed back. It popped in and out of this room? All I saw was like this. Dommage, ils l'ont pas sur la caméra. Of the corner, like blocked out. Like you, wait, hold on. It's blocked, it blocked out. Oh, dude. No, I'm serious. No, I know I'm you serious. Are. No, no, I'm freaking out. Okay, so like you're telling me you actually saw like a shadow thing block out this. All I saw was the head, not the body. I saw a head. And it was just right la tête. After I got the word malevolent, and I was trying to freaking figure it out. Après, ouais, le mot. The word that Tanner got last time. I don't like that. I don't like that either. What do we do? Like, there is definitely something on this floor right now. We should definitely like bring. Dude, we should do the Estes method down here. Ok, donc il a dit, je vous traduis parce que j'ai vu que les sous-titres étaient un peu en PLS. Elle a dit, il y a clairement quelque chose au quatrième étage. Et là, il lui dit, il faudrait qu'on fasse la méthode Estes. Oh, vous vous souvenez ce que c'est? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la méthode Estes, c'est un truc que je surkiffe. C'est Chelsea qui se bande les yeux et qui met un casque anti-bruit sur les oreilles avec la Spirit Box en écouteur. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout ce qu'elle entend à la Spirit Box, elle le dit comme ça à voix haute, sans réfléchir. Et t'as Tanner qui entend pas le son de la Spirit Box et qui pose des questions. Ça, j'adore ce truc. Je crois que c'est ça. Ok, you can wear the headphones then because I cannot be compromised. Okay, donc là ils vont faire l'inverse. Location, this would be the other way around, but it's you're lucky. Ah, j'aime bien cette. There's a train. Ah oui, et c'est le moment où elle faisait tout le temps. Chut. Oui, c'est vrai. Bye. Ok. Oh my god. Ah putain, c'est vrai qu'il est toujours dans son truc, lui. J'avais oublié. I should not have worn a sweatshirt. Ouais. Well, I'm getting absolutely nothing on the PS device. I've been asking questions for a long time now, and the only. Clot, il est toujours dans sa boîte. The word afterlife, but it was immediately after I heard like something. Ils utilisent cette méthode dans 28 jours de terreur. Ah, je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il y avait un truc sur Netflix qui ressemblait un peu à ça, Ghost Adventure et tout, et je l'ai pas vu. Certains ont dit que c'était sympa, sans plus.
Mais ok. Bah lui, s'il y a une chasse, il est planqué. Et puis là, même si le fantôme, il sait qu'il est là, il n'arrivera pas à ouvrir la porte. Et Alex, je sais pas. Écoute. Il reste, pour ceux qui s'intéressent, il reste 14 minutes. Ah, il a l'ovilus aussi. Ok, let's go. Salut, Claude, tu vas bien? Removing outside of this body cooler. Can you tell me where I am right now? Can you tell me what the name of this? T'imagines, hey, t'imagines, il a le même mot que Chelsea? Ce serait une dinguerie. That I'm in. Metal. Woo! Let's go, baby. What? Ah, je suis bien d'accord. Metal. What? J'adore comme il l'a dit. Metal. Metal. What? Merci beaucoup Volbon pour le follow. You said metal. Metal. On voit rien Dakota. Can you tell me what I'm in right now? Yeah, I'm in a big metal box. Après oui, il est dans une boîte en métal, c'est vrai. What do you think about me being in this metal body cooler? Il va se passer une dinguerie, je sais pas pourquoi. Last. It says last. Last quoi? Last, ça veut dire le dernier. Ah, peut-être. I'm assuming that you're standing on the outside right now. C'est le dernier locataire, ouais. Do you want me to leave this cooler? Now. Just said now. Holy shit. Ok, là tu peux commencer à flipper là. I will happily leave right now. If I could, I would. Ours. Ours. Ah non, hours. Oh putain, je suis con, c'est en anglais. Ah moi, j'étais là. Ours. Mais pourquoi il dit ours? Hours. Hours, c'est le nôtre, c'est le nôtre. Je suis désolé, je me suis fait mind game, j'ai complètement oublié que c'était en anglais. T'es dans un truc, il te sort ours. What? Il dit quoi? Il y a que moi qui a bugué pendant 30 secondes ou pas? Putain, je suis sûr, il y a que moi. Putain. Now? Très belle blague, Izzy. I will happily leave right now. If I could, I would. Y'a que moi? Hours. It just said hours. Fuck, dude. I don't... What's this? J'imagine trop. T'as l'aspirine d'en face, bon. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ours. Quoi? Truc qui veut absolument rien dire. You guys, seriously? Oh putain, je me fatigue. It's like they're trying to say like this is ours. Et le pire, c'est que si tu re-regardes ça YouTube, tu reviens en arrière, c'est que j'ai bien... Franchement, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai au moins mis 5 à 6 secondes avant de me rendre compte que c'était en anglais. J'ai bien... Je sais pas, tu vois, je m'en suis pas rendu compte instantanément. J'ai vraiment essayé de réfléchir pourquoi il disait ours. It's like they're trying to say like this is ours. Don't be in here. Bon, pardon, lui il panique par contre. All right, so Tanner's putting on okay, let's go. He's putting on headphones and we are about to do the Estes method. Très bon épisode. Right now, we do not have. Ah ouais, non mais en fait parce que moi je lis pas les sous-titres, tu vois, j'écoute mais je sais pas, mais comme je lis en fait, j'écoute en anglais mais je lis le chat en français et je vous parle en français donc je mélange tout quoi. With my own eyes. Are you somebody who works here? Are you a patient here? Who are you? Victim. Victim. Okay. Are you somebody who has been C'est wronged? La méthode Estus, je crois que ça s'appelle Estus. Il me semble que c'était comme ça. Here, you're clearly... Attends, on va regarder. J'aimerais bien savoir quand c'est qu'elle a été inventée ou quoi que ce soit. Attendez. Spirit Box. Attends. Spirit Box.
The Estes Method. Ah, attends. Attends, ils en parlent vite fait. Attends, je veux voir si, si ils nous disent quand c'est que ça a été inventé pour voir. Il n'y a pas l'air d'avoir de date. Bon, après, c'est pas très grave, tu vois, mais c'est juste pour ma curiosité. 2020 ? Il parle d'un 2020 dans un magazine. Peut-être 2020. Mais je veux pas sus. Merci beaucoup pour le sub. J'arrive pas à voir qui c'est. Merci énormément pour le sub sur Kick. Et vous régalez, tous ceux qui subaient sur Kick, là, vous régalez de ouf. Merci beaucoup. Attends, pourquoi ça parle de... Attends, de Shining ? Attends, il en parle dans Shining ? Attends. La méthode Est est une technique d'enquête paranormale qui a gagné en popularité ces dernières années et a été développée pour la première fois par Carl Pfeiffer lors de son enquête sur l'hôtel Stanley. Ah, mais l'hôtel Stanley à Estes Park. Ok. C'est dans le Colorado où ils ont tourné Shining. Le même hôtel qui a inspiré l'auteur d'horreur Stephen King pour écrire son roman Shining. Vous voyez, il faut se renseigner sur les choses. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien comme lore, ça. Donc, c'est la première fois que quelqu'un l'a utilisé dans l'hôtel de Shining. Putain, il faudrait que je trouve... Il faudrait qu'on se regarde des épisodes sur un... Non, mais c'est un truc de ouf. J'aime trop savoir l'histoire des choses, tu vois, comment elles sont arrivées, comment... Et là, pour le coup, c'est un truc de ouf. Ok. Bon, bah, je lirai pas tout, mais... Ah, et ça, vous savez ce que c'est ? Dites rien, ceux qui savent. Ceux qui savent pas, essayez de deviner ce que c'est, ça. Ah, mais je suis con, c'est marqué là. Quel connard. Vous n'avez rien vu. C'est bon, vous avez rien vu. Oui, c'est une maison, mais c'est quelle maison? C'est la maison de Conjuring, c'est la vraie maison. Il y en a qui savent pas, mais la maison du film, c'est une maison qui a été refaite. Hein. C'est pas la Tanglewood, c'est la maison de The Conjuring. Voilà. Il reste 10 minutes. Excusez-moi, il reste 10 minutes. Eh ben putain, c'est très intéressant. Ça s'appelle Estes Method, parce que ça a été fait dans la ville de Estes Park, où il y a l'hôtel de Shining. Eh, maintenant, vous pouvez vous la racler. Au prochain dîner. Incroyable. Bref. Are you somebody who has been... On apprend des choses sur ce stream. You're clearly holding something. C'est stylé. Non mais en vrai, c'est stylé. Je trouve ça méga stylé, moi. With you. I just saw a large black mass block the light coming from the door. Who was that? Ok, Alex, c'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas vu Alex. Il reste 10 minutes. Take some photos shooting down this end of the hallway where the x-ray room is. Yes? You want me to shoot pictures? All right, will you show yourself to me then? Je déteste les photos comme ça, même s'il y a rien, je trouve ça trop flippant. It's flickering, yes. Ça, par contre, c'est pas normal. Hein. Ça, par contre, c'est pas normal. Là, le... Je veux bien qu'on sache pas comment elle s'allume. Mais le fait qu'elle oscille comme ça, c'est pas normal. Sur YouTube, Paranormal Files, ils ont... Ah, ils y ont été ? Ok. Il y a une chasse ? C'est un raiju ? Oh, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir une dinguerie. Oh là là, j'aime pas, ça me stresse trop. I don't like this at all. Ouais, bah t'es pas le seul. Whoa. What was that? Il y a eu un gros bruit là. Merci beaucoup Mythix pour le flow. Mais si ils ont rien. Okay, I don't know what that was. I'm gonna look at these pictures now. Alright. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas des photos 3 étoiles. Okay, that's kind of cool. Y'a un voile blanc, ouais. It's the last picture I took too. So this is shooting down the hall. And then look at this. Right there. J'avoue que c'est un peu bizarre, mais... On dirait un reflet ou... Was that you in this photo? Did I just capture you in this picture? Un lens flare? Bah un lens flare de quoi? Y'a pas de source lumineuse en face. Il te faut une source lumineuse pour un lens flare.
Can you turn this flashlight on? Attends, attends, faut que je regarde un truc dans le salon modération. Ouais, vas-y, ça tu vires. Hein. Tu vires, Seymran. Hein. Les sacs à merde comme ça, tu vires. Non, non, juste... Oh, merci beaucoup. Alors là, je peux lire. Dardrock, merci beaucoup pour ton sub sur Kick. Putain, vous me régalez, je vous aime. J'espère que pour la grosse pièce de genre Flash Mall, les devs auront écouté les joueurs. Pardon. Non, je suis un peu allergique au bullshit. Ajoute certains events et comportements des fantômes que les gens ont suggérés. Je pense pas. Mais bon. Yes. Yes. Après, moi, je peux pas l'en vouloir de faire leur... Non, non, mais ils écoutent pas trop leur commu. Mais après, je peux comprendre. Je veux dire, ils ont une vision, ils font leur truc, tu vois. Moi, je respecte. Attention, hein. Je respecte totalement le truc. C'est juste, c'est leur choix. Moi, je respecte leur choix. Ils ont décidé de ne pas écouter la commu. Enfin, pas écouter. Ils écoutent à moitié, tu vois. Mais c'est leur bébé, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, si vous me dites... si demain, je vous dis, bah écoutez, maintenant, on va faire que du Fortnite. Et vous me dites, nique-toi. Je vais vous dire, ouais, mais bon, c'est mon stream. Je fais ce que je veux, tu vois. J'écoute pas ma commu. Bah ouais, bah c'est mon stream. C'est un peu comme ça. Voilà. Des bisous. Mais je respecte totalement. Et je ferai pas du Fortnite. Arrêtez. Like, I feel like I'm being so invasive right now. Oh, it's so hot. Et même s'ils n'écoutent pas la commu, il faut aussi voir la commu. Il y a énormément de bullshit dans la commu et de gens qui savent pas de quoi ils parlent. Il faut se mettre à leur place aussi. Les mecs, ils doivent recevoir des MP dans tous les sens. Moi, je trouve qu'ils font du bon taf. Certes, c'est un peu long. Certes, ils prennent leur temps. Mais honnêtement, y a quelques petites déceptions. Tu vois, la Monkey Paw, tout ça. Mais ils tentent des choses. Et moi, je trouve qu'ils font du bon taf. Sunny Meadow, c'est pas une map que je fais souvent. Mais je trouve que c'est un très bon taf. Ils ont fait un très, très bon taf sur Sunny Meadow. Tu vois. Donc, non, non, non. Moi, je trouve que... Écoute, ils ont une recette qui leur réussisse. Je vois pas pourquoi ils changeraient de recette. Après, j'avoue qu'il y a des gens qui ont des idées tarées, hein, de nouveaux fantômes et tout. Mais on se rend pas compte. Je pense pas qu'on se rende compte un peu. Moi, à mon échelle, je me rends compte, tu vois, de tous les MP que je reçois et ça me saoule. Alors eux, j'imagine même pas à leur échelle ce que ça doit être. Voilà. Il va y avoir plein de trucs dans la mise à jour. On va pas en parler maintenant parce qu'il reste que 10 minutes et il y en a qui attendent la fin pour aller se coucher. I don't think I'm getting proper ventilation. I am sweating. I thought this was a body cooler. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude des gens. Des devs, surtout des devs indés, quand ils sont 2, 3, 4, qui écoutent la commu, tu vois. Mais eux, écoute, ils ont choisi le parti pris de pas forcément écouter la commu et de faire leur truc. C'est... Moi, je trouve ça bien aussi. Voilà. Look at this. I'm guessing this fan was meant to, like, cool the bodies. That's the cooler part. This is wrong. Si tu veux, Ous. Après, il y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai tout mis sur YouTube, Ous. I can't get comfortable. Alors en même temps, il y a rien de pire qu'un putain de duvet. T'as le cou qui est comme ça. T'as mal au cou en 10 minutes. Tu m'étonnes. I'm claustrophobic. Moi, j'en reviens pas. Honnêtement, je pensais vraiment qu'ils allaient le laisser sortir avant la fin. J'en reviens pas qu'ils le laissaient pendant 4 heures dedans. I'm pissed and I'm terrified. Ooh, it's so dirty and gross. There's spider webs above me. Great. That means there's spiders in here. Ah ouais, ça c'est le pire. Oh. Ah, quand tu commences à psychoter avec les insectes, laisse tomber. Ah bah je peux dire que le Chelsea il va pas la louper la prochaine fois. I've been in here for way too long. I feel sick to my stomach. Oh, I just got nauseous. And I'm sweating. Oh gosh. My head hurts too. Seriously, what is wrong right now? I hope I'm getting enough air. Seriously though, what if I'm not getting enough air? Ça devrait aller normalement. Now I'm anxious. I want to get out. I'm having like an anxiety attack. This is so uncomfortable. This is not even right. Calme-toi. Seriously, think I'm gonna pass out. T'imagines l'ovilus, il lui dit là tout de suite, calm down. Pass, it just... Pardon, c'est encore pire.
Il a dit, I'm gonna pass out. Ça veut dire, je vais m'évanouir. Et là, t'as l'Obélus qui lui dit, vas-y. Pass, it just said pass. Si, si, il a un toki, mais il marche à moitié, quoi. Right after I said, I think I'm gonna pass out. Et ouais, de genre crève, vas-y. Vas-y, ma couille. Seriously, let me out of here. Il aura pas de tenue. Get me out of here. You guys. How can they not freaking hear me right now? Toki, toki, toki. Oh my god. I've been screaming for them so many times and no one's heard me. Après, ils sont après Tanner, c'est pas pour défendre l'indéfendable, tu vois. Mais Tanner, il peut pas t'entendre là tout de suite hein. Oh, fuck, heard me. Attends. No. C'est lui. Are you serious? Just drop my walkie. Oh merde. I dropped my walkie down there. There it is. Ah bah voilà, en fait c'est ouvert dessous. C'est ouvert dessous et la porte dessous est ouverte. OK. Ah merde. Et bah voilà, des bisous. Rip Dakota, balancez des F dans le chat. Des rip. Can't even grab it. Can't even get my hand like close to down. You guys. Eh ouais, donc tu vois, donc en fait dessous c'est ouvert et la porte de dessous est ouverte, tu vois. Donc ils ont prévu le truc. On dirait qu'ils ont mis une corde exprès. Donc ils ont mis une corde exprès pour tenir la porte entrouverte pour qu'ils puissent respirer quand même. OK. Drop my walkie. I have my phone though. Ouais, sur téléphone. Tanner, il va pas t'entendre. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Okay, gonna call Chelsea. This is stupid. Please answer. Come on, Chelsea. Bah après, il y a du réseau. Je pense qu'ils sont pas perdus partout, tu vois, mais. Chelsea. Come on. Your call has been forwarded to. Mais moi, je trouve ça normal qu'ils éteignent leur téléphone quand ils font une enquête. Je trouve ça normal, ils ont des toki. Answer your phone! This is messed up. I'm gonna call Alex. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Et là, tu commences à t'énerver à une voix d'une nana qui existe même pas parce que c'est un robot qui parle. Some. No one is answering. You guys, answer your phone! Answer your phone! Hello! Can anybody hear me? No. I can't walkie you. I can hear him now. Bah, s'il répond pas, il devrait venir ouvrir quoi. No, I can't respond. I'm guessing the thing just is staticky right now, so hopefully you're all right. But man, I'm sick of this basement. This sucks down here. It's working. I just don't have it. Answer your phone. I don't have a walkie. Are you yelling? Yes, I'm yelling! Dakota? If you can hear me, look at your phone! I don't have a walkie, it fell! Dude, okay, hold on. Et l'autre, il est en panique alors que Dakota, il est juste con, il a fait tomber son toki. Seriously! I tried to call you so many times! Yo, are you okay? Let me out, seriously! I brought my walkie! Dude, I heard you yelling! Bah ouais, non mais mec, ça fait 4 heures qu'il est dedans quoi. Il va défoncer sa sœur. Oh my god, dude. Oh putain. Excusez-moi, j'arrive pas. Il faut que je réfléchisse avant de parler. Il va se venger sur sa sœur. Niquez-vous. Here, let me pull you out. Whoa! What? Whoa! Il y a pas... Donnez-moi une bonne expression pour dire qu'il va se venger. Il va engueuler sa sœur. Voilà, il va l'engueuler. Whoa! What? Attends, il s'est passé quoi? Whoa! What? Whoa! Il y a eu un... ouais, il y a eu un cri, un truc. What? Écoutez bien. Il y a eu un petit cri féminin, je dirais. Whoa!
T'as entendu? Stop. What? I'm sorry. What? I just heard Alex screaming. Ah non, c'était Alex? What? Alex, you okay? Je pensais que c'était féminin. Dude, we should check on it just in case. Yeah. Ah ouais? Hey, Alex? Alex? Yeah, I'm down here with Dak. What happened? Dude, my walkie fell through the crack and none of you guys answered your phones. Bizarre. Phones? I didn't even get a call. I called all of you. You dropped your walkie through the crack? Yeah, 20 minutes ago, I dropped my walkie through the crack. And I'm like trying to get out at this point, yelling. He starts walking at me like, hey, are you okay up there? And then he says something like, oh, you must not hear me right now. So I hope everything's good. I'm like screaming like, let me out! I was definitely like sick to my stomach in there, nauseous, like everything you can imagine. Dude, it is like 150 degrees dude, in here. It was so hot. I was sweating. J'avoue qu'il doit faire chaud. Ouais. Holy balls, dude. Are you okay? Attends, c'est moi ou il a dit? Attends. Non, mais à chaque fois, il nous sort des dingueries. On a eu le holy shit, tu vois, le classique. Le holy moly. Le claquer votre holy. Le holy, holy Jiminy Christmas. Et là, il vient de nous sortir une nouvelle dinguerie. Le holy balls. Mais qui dit ça? Tanner, il nous sort des dingueries à chaque fois. Holy balls. Qu'est-ce que c'est que des balls saintes? Des balls saintes, putain. Les boules de Jesus Christ. Holy cow. Holy cow. On a eu quoi? On a eu holy banana. On en a eu plein. On n'avait jamais sorti holy balls. Vous pouvez claquer vos holy balls. Les saintes couilles, mesdames et messieurs. Putain, c'est incroyable. Claquez votre holy et vos couilles. Dans cet ordre-là, évidemment. Holy balls, dude. Are you okay? J'adore. En vrai, ça sonne bien dans sa bouche. Oh, c'est presque, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il faut que j'arrête de parler. C'est pas possible. Pourquoi vous sortez tout ce que je dis de son contexte? Ça, en anglais, quand il le dit, ça sonne bien. Calmez-vous. 150 degrees. Dude, it was so hot. I tried to take my sweatshirt off. I couldn't. Holy balls, dude. Are you okay? Holy balls. No. Let's, What time is it? It's 6 in the morning? I was in there for 3 hours, dude. I don't... 3 heures, putain. I mean, I feel like we should just get out of here. We do have to catch a flight, right, Tanner? Yeah, we gotta get out of here, because we have to get to the airport soon. I didn't know it was this late. Everything was going on so crazy, like, we gotta get out of here. I forgot. T'as déjà entendu ça dans un film, c'est vrai? You won't tell us. Holy balls. I guess we have to fly to Tanner's location, and it's already past the time we should have been leaving. Dude, we totally lost track of time. Like, we... The second you call for me... Est-ce qu'ils vont nous teaser le prochain lieu? Hey, Levin, l'épisode était sympa, en vrai. C'est pas fini, là. Il reste une minute, deux minutes. Mais l'épisode était vraiment bien. Mais si vous avez loupé le premier épisode, les deux parties sur la chaîne YouTube secondaire, c'est, pour moi, ce sont les meilleurs épisodes pour l'instant. Ils sont incroyables, mais vraiment. Allez le voir. La spirit, là, dans l'épisode 2, elle est incroyable. C'est 8h du matin chez moi, ouais. Alors, ils vont nous teaser le prochain, j'imagine. We're on our way. We gotta get to the airport. L'épisode était cool. On a bien rigolé. I personally feel like this time around was... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les 24 heures de Haslash parce que la béquille est pas tombée. Attendez. Far scarier than last time. That place ran the gamut of... Qui c'est qui choisit le prochain? Du coup, c'est Tanner ou Alex? Et chacun leur tour, il choisit un lieu en fait. Et les autres sont pas au courant. Les bisous, Coco. But I almost feel like it was kind of warning us for the later part of the night. Because once we got to later part of the night, all of the angry spirits kind of came to play. Tanner, tu crois? Comment ça, Tanner, tu crois? T'as déjà vu? Dis-nous tout. Tu nous as trompés? Ended, and we were left with the only entity remaining, and that was the dark entity. Definitely for me, this was going to be a night that I won't forget for a long time. This place is so memorable, it's so scary. Get ready, guys. I actually don't know if you guys are going to be very happy about where I'm taking you guys next. Because, one, it's absolutely terrifying. Two, it's one of the most iconic places we have been to. And three, I have a personal deal with this place. I want some redemption. And we're flying, so... And we're flying, so it's far away. You guys won't be able to even guess it.
Ok, donc ils vont prendre l'avion et c'est un endroit iconique pour Tanner. What an experience. Old hospital. Ah, ils vont pas nous dire. Putain, ils vont pas nous dire. C'était super bien. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez les liens pour vous liker la vidéo, évidemment, dans la description. C'était vachement bien. Putain, c'était vachement bien. J'ai kiffé. Donc là, ils font leur pub, évidemment, pour le Fear Club. Si jamais vous voulez vous abonner, c'est entre 5 et 10 euros par mois, je crois. Et puis vous avez accès à plein de trucs en plus. Le vlog, voilà, quand ils font leur truc, tout ça. C'était Project Fear. Des bisous, Meliodas. Voilà, comme ça, t'as le nom. Ils vont chez la daronne de Tanner. Ah, je ne sais pas, en tout cas, Maël Zubi. Il était vachement bien. Vous avez pensé quoi de cet épisode? Vous avez kiffé? J'ai bien kiffé, moi. Je tenais à dire que j'ai regardé ton replay de Feld Up sur ta chaîne Togonzer parce que clairement l'ambiance est magique, surtout pour détendre l'atmosphère qui était bien lourde. Ouais, j'ai fait aussi les reacts de Feld Up sur la chaîne, donc voilà, n'hésite pas à regarder. Je parle vite fait avec le chat YouTube, donc je te dis au revoir, je te fais des bisous, et puis n'hésite pas, tous les dimanches à partir de 22h30 on fait du react sur ce genre d'émission. Des gros bisous YouTube, j'espère que t'as kiffé et puis à la prochaine, ciao.